Dimanche matin, bienvenue au portail en ligne avec votre espresso votre café, peu importe. Je me présente, mon nom c'est Sam, je suis content de vous accueillir, je suis fier membre du portail Campus Laval, parce que oui, notre église, c'est une église représentée sur quatre campus, Laval, Terrebonne, Saint-Eustache, Abitibi, Malartic plus précisément, et très bientôt pour Pâques 2023, on ouvre notre cinquième site qui va se situer à Montréal-Nord. On est vraiment heureux, content de cette cinquième ouverture qui va prendre place dans le cœur de la métropole. Et si tu écoutes ce matin, là, pour la première fois, des choses par rapport à Dieu, par rapport au portail, laisse-moi te présenter en quelques minutes notre Église. Notre mission est super simple, c'est d'aider tout le monde à découvrir que tout a toujours rapport avec Jésus. Jésus est le centre de tout. Si tu nous découvres ce matin et que tu aimerais en savoir plus, je t'invite peut-être à visiter d'abord notre site internet à égliseleportail.com ou aller fouiner un peu sur notre page Facebook afin de connaître les différentes heures de réunion, les adresses de nos sites. On serait vraiment content de te recevoir dans un de nos campus un dimanche matin. Ce sont des réunions qui sont ouvertes à tous. En plus de ça, notre église offre différentes activités. Le dimanche matin, on a un service qui se nomme Clique pour les enfants, où ils vont recevoir un enseignement, un message adapté à leur âge. Ils vont pouvoir cliquer, connecter avec Jésus, avec leurs amis, avoir un bon temps également. Notre ministère Accès pour les ados et Portail Jeunes adultes pour les jeunes adultes se retrouvent eux le vendredi soir, les vendredis soirs à 19h30 au site de Laval. Des soirées incroyables où il y a beaucoup d'amis, euh, beaucoup de gens, beaucoup de, il y a même du sport, il y a beaucoup d'activités qui sont mises en place et bien sûr la bonne nouvelle de Jésus est prêchée. Pour avoir plus d'informations, vous pouvez consulter leur page Facebook respective, Accès ou PGA, Portail Jeunes Adultes. On a également durant la semaine des petits groupes qui se réunissent dans les maisons afin de pouvoir juste vivre leur foi ensemble, prier, parler de la parole de Dieu, s'exhorter, s'encourager mutuellement. Si vous aimeriez en savoir plus, écrivez-nous à Petit groupes au pluriel à commercialéglise-le-portail.com. Et bien évidemment, dans toutes ces activités-là, notre but central est toujours le même, proclamer la bonne nouvelle de Jésus. Et c'est ce que vous vous apprêtez à entendre ce matin dans le message d'aujourd'hui. Donc, je vous souhaite un bon message. Bienvenue à cette prédication en ligne de l'Église Le Portail. Euh, vous savez, au Portail, notre vision de la prédication, c'est euh, ce que disait le pasteur Charles Spurgeon il y a à peu près 200 ans. Alors qu'on lui demandait s'il défendait la Bible, il disait, la Bible est comme un lion en cage. Euh, relâche le lion, il se défendra lui-même. Et c'est vraiment notre conviction au portail. Ce qu'on veut, c'est exposer la parole de Dieu, c'est-à-dire relâcher la parole de Dieu. Et on croit que sur le long terme, pour le peuple de Dieu, euh, les gens vont réaliser, les croyants vont réaliser la grandeur de la parole de Dieu, que c'est vraiment, ce livre-là, c'est vraiment les saintes écritures. Et c'est pourquoi on enseigne au travers des séries, au travers des livres bibliques, et on prêche pratiquement verset par verset. Et très excité aujourd'hui de commencer une série sur le livre d'Esther. Le livre d'Esther dans l'Ancien Testament. Euh, on est à peu près 450 avant Jésus. Et pour que tu comprennes, pour que tu comprennes, euh, dans la Bible, il y a une histoire, il y a une trame narrative. Où, au tout début, le premier verset, ça nous dit que Dieu a créé toute chose. Dieu a créé l'univers. Et ensuite, Dieu a créé l'humanité pour être en relation avec lui. Et l'humanité s'est révoltée. L'humanité a décidé d'être autonome, de laisser Dieu de côté, de laisser le Créateur de côté, puis de déterminer pour nous-mêmes ce qui est bien et mal. Et Dieu, dans son amour, a dit dès le début, dans Genèse 3, qu'il va pourvoir un sauveur. De l'humanité viendra un sauveur. Et pour que ce sauveur, ce sauveur vienne, ça prend un peuple. Et Dieu s'est choisi un peuple. Israël, tu vois ça dans le deuxième livre, en Exode. Et Dieu a dirigé ce peuple. Il lui a donné une terre promise. Mais Dieu a dit, si tu me rejettes, alors que tu es le peuple de l'Alliance, si tu vis sans moi, si tu adores les autres dieux, si tu oublies ma loi, je vais toujours d'attirer ton attention, je vais te châtier, donc je vais, le jugement va venir et je vais te prendre et je vais t'emmener dans un autre pays. Si tu veux vivre en païen, je vais t'emmener dans un monde de païens et c'est malheureusement ce qui est arrivé. Des années plus tard, par les Babyloniens, Dieu a fait en sorte que Jérusalem a été détruite, le temple a été détruit, le peuple a été emmené en exil pendant 70 ans. Et après 70 ans, le peuple est revenu et on a vu avec Esdras Némi qu'on rebâtit. Et à la même époque, encore en exil, des, des croyants sont restés là-bas. Et c'est ce qu'on voit dans le livre d'Esther. Et on voit comment Dieu va utiliser une jeune croyante pour devenir la reine la plus puissante du monde afin de préserver le peuple de Dieu de l'extermination. On va voir ça ensemble. Maintenant, euh, plusieurs chrétiens connaissent le livre d'Esther. Ne soyons pas naïfs. Esther n'est pas la belle histoire d'amour entre une jeune femme pieuse et un puissant roi, mais la sale histoire. Esther, c'est une sale histoire où on voit la grâce de Dieu, on voit la main de Dieu, mais c'est une histoire pleine de péchés. C'est la sale histoire d'une jeune croyante obligée de se prostituer pour réussir à devenir la reine d'un roi sanguinaire. C'est ça l'histoire. Et le livre d'Esther raconte la providence de Dieu. La providence de Dieu, c'est euh, le contrôle de Dieu dans les moindres détails de la vie, donc pour que tout culmine à un plan qui lui donne gloire. Donc, c'est la providence de Dieu dans ces temps où le peuple de Dieu est minoritaire dans un monde païen. Et nous vivons aujourd'hui en Occident ce que Esther vivait à son époque, c'est-à-dire les croyants sont minoritaires dans un monde païen. Et ce qui est surprenant dans le livre d'Esther, il n'y a pas de miracle. Dans le livre d'Esther, il n'y a pas de vision, il n'y a pas de prière, il n'y a pas de prophétie, il n'y a pas d'ange, euh, Dieu n'est même pas mentionné. Et déjà, peut-être, c'est ton cas, ta vie se déroule sans prière, sans intervention de Dieu. Tu as l'impression que Dieu n'est pas là. Mais le livre d'Esther nous enseigne que Dieu agit dans ta vie, même quand tu ne le vois pas. Mais alors qu'on ne semble pas le voir dans le livre d'Esther, on voit la providence de Dieu, on voit la main de Dieu. Et c'est ce qu'on va regarder ensemble. Et Dieu se révèle comme le Dieu des moments difficiles. Et le titre de ce premier message, c'est, et on le voit au chapitre 1. Donc, si tu as ta Bible, ouvre avec moi dans Esther, chapitre 1. Le Dieu de la Bible est un Dieu pour ce temps de confusion. Dieu est un Dieu dans les temps de confusion. Peut-être vis un moment de confusion. Nous sommes présentement dans l'histoire, dans un temps de confusion. Et je l'ai déjà enseigné, tu as besoin de comprendre que le paganisme, c'est-à-dire cette vision du monde sans Dieu, cette vision du monde où on adore la créature, où il y, une, il y a une confusion entre le bien et le mal, entre le créateur et la créature, entre l'homme, la femme, entre l'humanité et la nature, euh, entre le christianisme et les religions. Euh, présentement, l'idéologie dans laquelle on vit, et c'est comme ça depuis le début, hein, c'est la religion du diable. C'est un peu comme si on prend tout, tu as une belle assiette, tu as un, un beau filet mignon, tu as des brocolis, tu as une belle salade, et as un bon vin. Et on prend tout ça, on met ça dans le, dans le mélangeur et on mélange tout et on tresserre cette purée. La valeur des choses est dans la distinction. Et présentement, il y a une confusion et même les croyants, peut-être c'est ton cas. Dans ce monde, t'es peut-être mélangé, Tu es peut-être confus sur qu'est-ce qui, qu qui est vraiment la vérité. Et je veux t'encourager, tu t'es pas seul. C'était le cas du peuple de Dieu dans le livre d'Esther, donc et c'est ce qu'on va voir. Et le premier chapitre, c'est vraiment le contexte. Et tu vas Peut-être que tu vas réaliser que le premier chapitre semble très noir, mais un peu comme lorsque tu vas chez le bijoutier, lorsque le bijoutier veut mettre en valeur un grand diamant, bien, il va le mettre sur un écrin noir. Et souvent dans la parole de Dieu, il y a des contrastes. Et ce qu'on voit, pourquoi le Saint-Esprit a inspiré Esther, chapitre 1, c'est pour établir un contraste entre ce royaume, entre ce monde et le royaume de Jésus. Donc, sans plus tarder, Esther, chapitre 1. Versets 1 à 4. C'était au temps d'Assuérus. Cet Assuérus régnait de l'Inde à l'Éthiopie sur 127 provinces. En ce temps-là, le roi Asuérus s'installa sur le trône royal de Suse, la capitale. La troisième année de son règne, il présida un festin qu'il donnait à tous ses princes et ses serviteurs, à l'armée perse et mède, aux dignitaires et gouverneurs de province, montrant ainsi la glorieuse richesse de son règne. Et la rare magnificence de sa grandeur, cela dura longtemps, 120, 180 jours. La première chose, la parole de Dieu nous enseigne souvent par contraste. Et alors qu'on voit ce roi, juste te dire que les chrétiens, on a un meilleur roi. On a un meilleur roi. Alors que la Bible dit, c'était au temps d'Assyrus. Son règne a duré de 486 à 465 avant Jésus-Christ. Notre roi Jésus règne éternellement. 1 Timothée 6 nous dit qu'il est le roi des rois, le seigneur des seigneurs, à qui le seul souverain à qui appartient l'immortalité. Et la première chose que tu dois réaliser, alors que nous voyons la grandeur de ce roi, Jésus est le seul roi qui demeure à jamais. Qui sont les dix personnes les plus riches du monde? Probablement que tu peux m'en nommer quelques-uns, mais pas tous. Si je te pose la question, qui sont les dix derniers gagnants? De l'Oscar du meilleur acteur ou meilleure actrice? T'en as oublié plusieurs. Si je te pose la question, nomme-moi les dix derniers, les dix derniers récipiendaires, récipiendaires, oui, récipiendaires, je vais y arriver. Du prix Nobel. Est-ce que tu es capable de m'en nommer? Est-ce que tu es capable de nommer les MVP? Les meilleurs joueurs, les dix meilleurs joueurs de l'année au basket, au football, au hockey. Probablement que tu en as oublié plusieurs. Nomme-moi les dix dernières Miss Univers, les plus belles femmes du monde. Nomme-moi les dix plus belles des dix dernières années. Euh, Nomme-moi les plus grands rois de l'histoire. Peut-être que tu vas me nommer Alexandre le Grand, peut-être que tu vas me nommer Gilles César, Napoléon, peu importe. Je veux juste te dire que toutes ces personnes passent, Jésus est le seul qui demeure. Et si Jésus est ton roi, « Rien ni personne ne peut atteindre. Ton roi n'est pas le banquier, ton roi n'est pas le propriétaire, ton roi n'est pas ton patron, ton roi n'est pas dans ta maison. Le chrétien déclare que Jésus seul est mon roi, il est un roi éternel. Et non seulement il est un roi éternel, il est le roi de l'univers. Alors qu'on nous présente Assyrus, et dans, dans l'historiographie grecque, on l'appelle Xerxes, alors qu'on nous le présente régnant de l'Inde à l'Éthiopie, c'était le plus grand empire du monde connu, L'empire de Jésus et l'ensemble de l'univers et même plus. J'aime ce que Salomon dit. Il va dire, les cieux des cieux, l'univers ne peut contenir ta gloire. Tu ne peux pas rentrer la gloire de Jésus dans l'univers. Maintenant, réalise l'ampleur de l'univers. Hein? Il y a la Terre, c'est gros la Terre, mais le Soleil est 100 fois plus gros que la Terre. Et dans notre galaxie qu'on appelle la Voie lactée, il y a possiblement... 400 milliards d'étoiles comme le Soleil, seulement dans notre galaxie. Et dans l'univers, il y a au-delà de 2000 milliards de galaxies comme la nôtre. Wow! Jésus, le créateur de tout ça. Mais imaginons, moi j'aime les films de science-fiction. J'aime par exemple les films où, euh, vous savez, on, on donne un genre, un genre de solitude, tu t'endors, et là tu voyages à la vitesse de, de, de la lumière, puis tu te réveilles comme 50 ans plus tard à, à l'autre bout de l'univers. Imaginons, imaginons qu'on soit en mesure de le faire, on nous endort, on nous envoie dans une, une capsule, dans un, une fusée, et on voyage pendant des, des milliards d'années, littéralement, okay? et on arrive au bout de l'univers. Imagine, là, on arrive au bout de l'univers, on se réveille. Okay? Ça fait longtemps que la Terre n'existe plus. On est à l'autre bout de l'univers. Et même à ce moment-là, en se réveillant, on pourrait déclarer gloire à Jésus. On pourrait chanter combien Dieu est grand, on pourrait expérimenter sa présence parce que même là Jésus serait Seigneur, même là il demeure Dieu. Et la Bible nous dit au verset 3 au verset 2 que Asseus va s'asseoir sur son trône, sus Les chrétiens ont un meilleur roi parce que Jésus siège sur un meilleur trône. J'aime, vous savez, un trône c'est l'autorité, un trône c'est la domination. J'aime un de mes passages préférés, c'est Hébreu 4.16 qui dit, Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et trouver grâce pour un secours opportun. Le trône de Jésus n'est pas un trône qui écrase, n'est pas un trône qui condamne, n'est pas un trône qui, qui te lie, c'est le trône de la grâce. Et la Bible dit que si Jésus est ton roi, il est assis sur le trône de la grâce et tu peux te présenter devant lui, et ce trône-là, celui qui siège sur ce trône a toute autorité, il a tout pouvoir, rien n'est est impossible. Et ce trône n'est pas un trône de fer, c'est un trône de grâce. C'est un trône où malgré tes péchés, malgré tes maladies, malgré tes faiblesses, tu peux t'approcher et tu vas être accepté, tu vas être entendu. Et la bonne nouvelle, c'est que pour le trône d'Assurus, tu devais te rendre à Suse. La bonne nouvelle, c'est que pour avoir accès au trône de la grâce, tu n'as pas besoin de te rendre à Jérusalem, tu n'as pas besoin d'aller à Ottawa, tu n'as pas besoin d'aller à Québec, tu n'as pas besoin d'aller à Paris. Là où tu es maintenant, tu as accès au trône de la grâce au nom de Jésus. Et notre Jésus, nous avons un meilleur roi, parce que regarde le verset 3. Le verset 3, il va convoquer toute son armée. Et au niveau, au niveau de l'histoire, on sait qu'à ce moment-là, ce que veut faire à russe, il prépare une campagne pour envahir la Grèce. Hein, toutes les, les Spartes, toutes ces émissions comme 300, je ne la recommande pas, mais si tu l'as vu, 300, euh, tout ce qui prend, c'est ce roi-là, ce roi, roi perse-là. Et historiquement, il va faire un méga festin qui va durer 180 jours, donc la moitié d'une année. En enfin, fait, il veut, il veut gagner la loyauté de ses sujets pour aller attaquer la Grèce. Il veut mériter l'allégeance de son peuple. Nous avons un meilleur, un meilleur roi parce que Jésus seul est digne de notre allégeance. Et c'est pourquoi les chrétiens, souvent, dans ce monde de confusion, alors qu'on est minoritaire, on est coincé. C'est-à-dire, d'un côté, nous sommes soumis au gouvernement, nous prions pour le gouvernement, mais quand on nous demande de désobéir à la parole de Dieu, on dit mieux vaut obéir à Dieu qu'aux hommes parce que notre allégeance ultime va à Jésus. Vous savez, pendant la guerre de sécession aux États-Unis, au Tennessee, de trois régions, de Tennessee de l'Ouest, du Centre et de l'Est. Et le Tennessee est au Sud et les États du Sud étaient esclavagistes. Et à un moment donné, le, le Tennessee a décidé de, se, de faire sécession et de quitter les États-Unis pour se rallier aux États du Sud. Maintenant, le Tennessee de l'Est, n'était pas d'accord avec les valeurs esclavagistes. Et a euh, dit, ben nous, on trouve que si le Tennessee se sépare, se révolte, nous, on va se révolter contre la révolte. Est-ce que tu me suis? Donc, nous, on va se séparer des séparatistes. Nous, on va, on va désobéir à ceux qui désobéissent. Puis en fait, c'est une, une question d'allégeance. Leur allégeance, elle est pour eux, c'était notre pays, c'est les États-Unis. Les chrétiens, notre allégeance première, va à notre patrie céleste, va à Jésus qui est le seul roi des rois. Et quelquefois, dans ce monde qui est en désobéissance contre Dieu, nous désobéissons. Et dans nos valeurs, dans notre style de vie, quotidiennement, nous faisons le contraire de la majorité. Pourquoi Parce que notre allégeance va à Jésus. Et j'aime, j'aime ce que la Bible dit sur Assuérus parce qu'en fait, c'est une caricature. Le verset 4 nous dit Il étala sa glorieuse richesse. Les chrétiens ont le meilleur roi parce que Jésus nous offre une glorieuse richesse supérieure. L'expression glorieuse richesse se retrouve dans Colossiens 27 où ça dit que Jésus a démontré nous a démontré sa glorieuse richesse. C'est quoi sa glorieuse richesse Pourquoi les chrétiens on expérimente la glorieuse richesse de Jésus C'est quoi la glorieuse richesse de Jésus Cette grande vérité, la Bible le va dire c'est Christ en nous. Et des fois on voit sur les réseaux sociaux des gens c'est un petit peu drôle, des gens qui mettent des photos d'eux-mêmes, puis tu sais, je le fais la famille, puis mon petit chat, puis si vous voulez voir une, une beauté de la, de la nature, allez voir ma page Facebook, ça, c'est un autre sujet. Euh, et là, les gens, comme, mettent des photos d'eux-mêmes, et, et ce qui me fait vraiment rire, c'est des fois, je vois du monde, je vois des, des, je vois des femmes, je vois des hommes qui sont, ils prennent la pose, des fois, même à la limite sexy ou super, comme, bien habillés, puis c'est comme, je donne gloire à l'éternel. Ça, comme, en fait, c'est comme tout dans la photo démontre, que, démontre le contraire. La réalité, de c'est pas tellement la photo, c'est juste comme je donne gloire à Dieu. Mais tout le focus est sur toi. Donc, tu as mis tes plus beaux habits, tu prends la pose, tu as le regard ténébreux et je donne gloire à l'Éternel. Et en fait, j'ai l'impression qu'on dévie la gloire de Dieu. Et c'est ce que à ce héros fait, il dévie la gloire de Dieu. Maintenant, le chrétien. Ce qui est glorieux dans nos vies, ce n'est pas extérieur, c'est intérieur, c'est que Christ est en nous. Christ, Jésus fait une chose qu'aucun roi n'a pu faire. Ce roi puissant, qui est le Seigneur des Seigneurs, habite en nous. Et alors que Cyrus le fait pendant 180 jours, il a étalé sa richesse, ses ressources n'étaient pas illimitées, nous avons un Dieu dont les ressources se renouvellent chaque matin. Les bontés se renouvellent chaque matin. Avec Jésus, ça ne dure pas 180 jours seulement. À chaque matin, la faveur est renouvelée, la grâce est renouvelée, les bénédictions sont renouvelées. Quelqu'un devrait dire Amen à la maison. Et on continue, verset 5. À l'expiration de ces journées, le roi donna pendant sept jours un festin en plein air, donc un after party. Après le party, il y a un after party. Donc le roi donna pendant sept jours un festin en plein air dans le jardin du palais royal. À tout le peuple qui se trouvait à Suse, la capitale, du plus grand au plus petit. Et là, on parle des, des tissus colorés de lin, des cotons de laine violette étaient tendus par des cordons blancs et pourpres passés dans des anneaux d'argent à des colonnes de marbre. Les divans étaient d'or et d'argent sur un pavé de porphyre, de marbre, de nacre et de marbre noir. On servait à boire dans une grande variété de coupes d'or et le vin du roi abondait avec une libéralité, libéralité royale. On buvait selon un protocole sans contrainte. Le roi avait imposé à tous les intendants de sa maison de se conformer aux désirs de chacun. Encore une fois, alors qu'on voit un écrin noir, ce qu'on voit, c'est ténébreux, c'est la confusion. Le croyant voit que Jésus nous offre un meilleur royaume. Jésus est un meilleur roi, mais les chrétiens ont un meilleur royaume. Alors qu'encore une fois, que ce royaume, que ces festivités arrivent à une fin, le chrétien, nous avons non seulement un roi éternel, mais un royaume éternel. Vous savez, est-ce que je suis seul quelquefois de vivre le blues C'est la dernière journée de tes vacances là, quand tu as eu tes vacances puis tu recommences le lendemain, le dimanche soir. Comme, Même des fois le week-end, avant la journée de travail, c'est comme pff. il y a comme un fardeau. Comme, ah, ça se termine. La bonne nouvelle, c'est ce que Jésus pour nous ne se termine jamais et éternellement, ça va aller de gloire en gloire, de gloire en gloire. Et alors que ce roi là. Les gens vont boire, vont manger. Nous avons un meilleur royaume parce que notre royaume, les chrétiens, il est spirituel. Romains 14, verset 17 nous dit, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la joie, et la paix par le Saint-Esprit. Une des choses que les commentateurs nous disent, c'est que pour les Perses, une des manières pour eux de prendre des décisions, c'est que, justement, pourquoi est-ce qu'il y avait un protocole pour boire? C'est qu'on prenait des décisions importantes. Sous l'effet de l'alcool, on croyait que plus qu'on buvait, plus qu'on était souple, plus qu'on était intoxiqué, plus qu'on avait accès au Dieu et plus qu'on était brillant. Bon, c'est pas scientifique là, mais c'est ce qu'on croyait. Et c'était pourquoi il y avait un protocole, parce que c'est comme ça, ils prenaient des décisions. Puis le lendemain matin, quand tout le monde se réveillait, tout le monde avait mal à la tête et réévaluaient ce qu'il avait décidé la veille voir si c'était une bonne idée. Bon, c'est quand même. Les chrétiens ont un meilleur royaume parce que notre royaume est spirituel, puis on a une meilleure manière de prendre des décisions. Maintenant, ce texte-là ne prêche pas contre l'alcool. C'est une bénédiction de Dieu, c'est un autre message. Mais la Bible dit, elle fait un parallèle. Ne vous enivrez pas de vin, c'est dans des bauches, mais soyez remplis de Saint-Esprit. Les chrétiens, nous avons une meilleure manière de prendre des décisions. Nous avons le Saint-Esprit à l'intérieur de nous. J'aime ce que F.B. Meyer va dire. Il y a plusieurs années, alors qu'il est en Irlande, il est sur un bateau et. Euh, il arrive au port, puis c'est noir, noir, noir. Et devant le capitaine, comment tu fais pour voir, comment tu fais pour voir, Où trente il fait tellement noir. Et le capitaine dit, tu vois, les, les étoiles, là, il y a trois étoiles super lumineuses. Tu les vois, oui, il dit, à un moment donné, là, quand qu le bateau est dans un angle et que les, les trois étoiles vont être alignées, j'ai simplement à suivre la ligne et j'arrive directement au port. Et F. B. Meyer dit, n'est-ce pas une belle illustration de comment le chrétien peut discerner la volonté de Dieu? Nous avons trois étoiles pour discerner la volonté de Dieu, la parole de Dieu. Si tu veux prendre une décision qui n'est pas biblique, arrête-là. Arrête-là. Première étoile. Est-ce que c'est conforme à la parole de Dieu? Deuxièmement, ce n'est pas nécessairement en ordre, en ordre mais qu'est-ce que les gens spirituels autour de toi disent? Le Saint-Esprit parle par des frères et des sœurs autour de toi. Le Saint-Esprit parle par ton épouse quelquefois et tu as le droit de dire aïe aïe le Saint-Esprit peut parler par tes enfants, le Saint-Esprit peut parler par ton mari, le Saint-Esprit peut parler par des gens autour de toi. Donc, qu'est-ce que les gens autour de toi disent? Mais surtout, quelle est la direction du Saint-Esprit dans ton cœur? Et les chrétiens, nous avons un meilleur royaume. Et plus encore, alors que ce royaume-là, le roi demande d'obéir de, au désir de chacun, notre royaume est supérieur parce que notre royaume n'est pas égocentrique, il est christocentrique. Maintenant, il y a trop de chrétiens qui ont une vie chrétienne de bang. Hein? Oui, oui, c'est à toi que je parle. Ta vie chrétienne est un bang. Pourquoi il y a un vide dans le milieu alors que Jésus devait être dans le milieu? La priorité dans nos vies, c'est Christ, c'est Jésus. Après, c'est la famille. Après, c'est le travail. Après, c'est le reste. Mais Jésus est le numéro un et nous avons un royaume supérieur parce que quand Jésus numéro un, le reste se tient. Verset 9. Et là, ça se corse. De son côté, la reine Vasti donnait un festin pour les femmes dans le palais du roi Assurus. Le septième jour, dans l'euphorie du vin, le roi dit à Meouman, Bista, Arbona, Bicta, Abakta, Zetar, Carcas, plein de nom, tu ne devrais jamais utiliser pour tes enfants, sinon c'est un péché. Ok, Fais pas ça. Les sept eunuques. Donc, c'est quoi des eunuques? C'est des, des hommes à qui on a fait l'ablation des, de orga, des organes génitaux parce qu'ils s'occupent du harem, puis on veut s'assurer qu'ils ne sont pas dangereux pour les femmes. Donc, les sept eunuques du service auprès du roi Cyrus, de faire venir la reine Vachti en présence du roi avec sa couronne royale, pour montrer sa beauté au peuple et aux princes car elle était très belle. Mais la reine Vachti refusa de se rendre à l'ordre du roi, transmis par l'intermédiaire des eunuques. Le roi a conçu une grande indignation en fut, et fut enflammé de fureur. Le roi s'entretint. Je, je vais arrêter ici. Okay? Donc, le roi plein de fureur. Troisième chose les chrétiens, nous avons une meilleure identité. Maintenant, dans le texte qu'on vient de lire ici, avec les eunuques, avec Vacheté, avec tout ce qui prend en place, puis présentement, quand plusieurs commentaires bibliques se restèrent récents, utilise ce qu'on appelle des interprétations identitaires. Et c'est important de dire quelques mots là-dessus. Nous sommes dans une culture où tout est identitaire. Et tant que plusieurs personnes vont dire voyez-vous, c'est un bel exemple de ségrégation où tu as les femmes, les hommes de l'autre. Certains vont dire voici un bel exemple de masculinité toxique. Donc voici une belle illustration du patriarcat oppresseur dominant. Belle construction sociale donc. On dit, voyez Vous voyez-vous là, on a la culture du viol une mise en action. D'autres commentateurs vont dire Vachti est, est une féministe. Elle se lève. D'autres on dit non, c'est le contraire. En fait, c'est l'exemple de la femme insoumise. D'autres vont dire on a un bel exemple avec les eunuques, démasculination d'une culture qui est masculine. Les hommes, je ne sais pas, je le dis comme il faut. D'autres vont dire, alors que c'est unique, on leur coupe les organes génitaux, on a un exemple ici de non-binarité de l'Antiquité. D'autres vont dire, voici, on a une fluidité des genres. D'autres vont dire, voyez-vous, on a un, un bel exemple d'une injustice systémique. D'autres vont dire, il manque de diversité, il manque d'inclusion. Et souvent, les chrétiens, ont mis ses lunettes pour lire la parole de Dieu. Maintenant, si tu mets des lunettes idéologiques roses, tu vas voir les choses en rose. Si tu mets des lunettes bleues, tu vas voir les choses en bleu. Maintenant, c'est important, le peuple de Dieu, qu'est-ce qu'il a compris? OK, je vais peut-être te surprendre. OK, lorsque j'étais jeune, j'allais à la crèmerie. Là, tu vas voir que je suis quelqu'un d'âgé. Dans mon temps, lorsque mes parents m'amenaient à la crèmerie, tu n'avais pas 38 sortes de crème glacée. Hein? Tu n'avais pas de crème glacée à la gomme ballonne à la rhubarbe avec pépites de chocolat, avec soupçon de brocoli, euh, ambrés de caramel. Dans mon temps, tu avais vanille chocolat. Tu aimais mieux d'aimer la vanille chocolat. Il y avait deux choses. Maintenant, je ne veux pas être vieux jeu, mais la parole de Dieu, il y a deux catégories dominantes dans la parole de Dieu. Il n'y a pas 50 identités dominantes il y en a deux qui déterminent tout le reste. Deux catégories bibliques. Et la première chose, quand le peuple de Dieu dans l'histoire a lu ce texte-là, il n'a pas vu toutes les idéologies des sciences humaines modernes. Ce qu'ils ont vu, ce que les croyants ont vu, avec ce roi-là qui ne pas d'allure, puis sa reine, puis on... Est-ce que tu sais qu ce qu'ils se sont dit? Ils se sont dit, c'est des païens qui se comportent en païens, qui pensent en païens, qui parlent en païens, qui ont des résultats païens, qui sont dans une culture païenne, avec une foi païenne. Ce sont des païens. Maintenant, mon ami, le chrétien n'est pas un païen. Ce qu'on voit là... Ce que ça dit, c'est que tu, le chrétien ne se comporte pas comme ça. C'est pas nous. Et dans la Bible, il y a deux catégories. Tu es soit un païen, et là, je ne veux pas t'insulter les gens qui sont insultés. C'est là a fait une, une, une toune, là, ma prière païenne. Fait que ça pas insulté, là. Un païen, c'est quelqu'un qui a une vision du monde qui n'est pas centrée sur Jésus. Okay? Ce n'est pas une insulte. C'est une idéologie. Tu les païens sans Jésus. Et tu des chrétiens avec Jésus. Te sois un enfant de la rébellion ou tu es un enfant de Dieu. Te sois quelqu'un qui est mort dans son péché ou quelqu'un qui est né de nouveau. Tu es soit dans les ténèbres ou tu es soit dans la lumière. Et ça, ce n'est pas à cause que tu es meilleur que les autres. C'est parce que Jésus t'a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc les chrétiens, ce que ce texte là nous enseigne par contraste, c'est que nous avons une meilleure identité. C'est pourquoi j'hésite d'utiliser des catégories non bibliques pour parler de réalité biblique. La chose la plus importante mon ami, c'est pas tout ce que j'ai mentionné, c'est es-tu un enfant de Dieu ou n'es-tu pas un enfant de Dieu. Et c'est important d'avoir ces catégories là de les avoir correctement parce que ça amène des confusions dans la vie par exemple, ok, petite parenthèse vais voir où je veux t'amener. Deux extrêmes que je vois dans l'Église. Pre Le premier extrême que je vois, c'est qu'on spiritualise la maladie mentale. Toi, je veux t'amener. Plusieurs chrétiens vont spiritualiser la maladie mentale. Maintenant, il y a des maladies mentales qui nécessitent un traitement médical. Il ne nécessite pas qu'on chasse un démon. Vous savez, les chrétiens, parce que souvent la maladie mentale, ce n'est pas comme un bras cassé, on, on, on spiritualise. Hein? Quelqu'un qui, qui fait une crise psychotique, un schizophrène, j'en ai dans ma pratique pastorale, j'en ai plusieurs. Évidemment, on prie pour les gens. Mais ce qu'ils ont besoin, ce n'est pas qu'on chasse un démon, ils ont besoin d'un traitement, ils ont besoin d'être pris en charge par des médecins. Et les gens qui, se disent, oh, qui sont offensés, qui trouvent que ce n'est pas spirituel, juste te rappeler que lorsque tu as le cancer, tu es heureux d'aller voir le médecin. La médecine fait partie de ce qu'on appelle la grâce commune. -dire les chrétiens ont bénéficié de la grâce spécifique, mais il y a une grâce commune sur notre monde où, encore une fois, on est dans un monde plus salubre techniquement plus sécuritaire, où la médecine augmente. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'aller voir un médecin n'est pas mal. Aller voir un psychiatre n'est pas mal. Il y a des chrétiens qui spiritualisent la maladie mentale. De l'autre côté, c'est aussi important, il y a trop de chrétiens qui vont médicamenter le péché. Et tu vas voir, je reviens. Quand on voit l'histoire d'Assurus et Vachti, ce sont des non-chrétiens, ce sont des païens qui n'ont pas le Saint-Esprit. Et on pourrait arriver avec toutes sortes de remèdes, mais la première étape, ils ont besoin de Jésus. Je pourrais dire à Cyrus, wow, là, tu as bu tu n'as pas été correct avec ta femme. Là, il va falloir que tu fasses le 28 jours sans alcool. Et peut-être qu'on trouve que la est un peu intense on dit, peut-être qu'on devrait lui prescrire des médicaments, des anxiolytiques pour qu'elle se calme un peu parce que je pense qu'elle a de la pression avec, le, 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 avec le, 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 tout ce que le, le royaume, c'est un peu pesant sur ses épaules. Ou on va faire une thérapie de couple. Non! Leur problème, ils n'ont pas besoin d'un traitement, ils ont besoin de repentance. Il y a des gens qui m'écoutent, okay? avec tout ce que j'ai dit sur l'importance des médecins, des psychiatres. Il y a des gens qui m'écoutent. Tu peux aller voir les psychologues que tu veux. Ton problème, c'est qu'il y, y a un péché dans ta vie que tu refuses d'abandonner. Et la solution, ce n'est pas plein de trucs autour, c'est d'aller à la source. C'est que y a des gens, ce qu'ils ont besoin, c'est de repentance. Il y a des gens qui, tu disent « genre je vais suivre une thérapie, je vais faire C'est pas mal. Je fais juste dire qu'il y a des cas, tu as besoin de mettre. La base, c'est quoi? Il y a des gens qui ont besoin de repentance. Et en tant qu'Église, on pourrait vouloir aider ce couple-là comme on veut. Nous sommes limités parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. Ce qu'ils ont besoin d'abord, c'est de repentance et de mettre leur foi en Jésus. Et c'est pourquoi que je te pose la question maintenant. Qui es-tu? Quelle est ton identité? La Bible dit dans Galates 3, 3, euh, 3 pardonnez-moi. En Christ, il n'y a plus ni homme, ni femme, ni chute. Bon. Et là, on va, on va ni juif, ni. Qu'est-ce que la Bible veut dire? Est-ce qu'elle veut dire que les identités ne sont pas importantes? mais ben non. Je viens à Jésus, je reste un homme. La Bible dit homme ah, et femme, il les créa. Euh, par exemple, je viens à Jésus, je suis, je suis Mexicain, mais ben je reste Mexicain. Ça ne disparaît pas. On voit dans l'Apocalypse 5-9 où on voit qu'il y a un peuple de toutes les nations qui célèbre Jésus, donc, ça reste. C'est quelque chose qui demeure. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand tu es un disciple de Jésus, dans toutes tes identités, je suis un homme blanc, québécois, francophone, hétérosexuel, euh, universitaire, pasteur, mais avant tout, je suis chrétien. Donc, ça veut dire que dans ma vie, mon identité première, c'est toujours d'être chrétien. Ça veut dire que quand ma femme, j'ai une altercation avec ma femme, parce que ça arrive, je ne réagis pas juste comme un homme ou un mari, je réagis en chrétien. Avec mes enfants, je ne suis pas juste un père ordinaire. Je savais d'être un père, je suis un chrétien. Euh, au resto, lorsque j'ai un mauvais service, vous savez, il y a des gens, là, il y a des chrétiens, tu es, es, es tellement mauvais au restaurant, tu manques de respect envers la serveuse, et tu as l'audace de prier avant le repas. Hein, tu pries, Seigneur, te rendons grâce à la nourriture, puis tu te comportes comme un payant avec la serveuse. En tant que, encore une fois, au restaurant, à l'épicerie, continuellement, si j'ai un mauvais service, je suis toujours d'abord un, un chrétien, pas un client. En voiture, lorsque quelqu'un me fait un doigt d'honneur, je ne suis pas un homme de 45 ans, en colère, un peu en forme, qui pourrait se défendre. Je reste un enfant de Dieu et je dis, Bénis le Seigneur. Dans la vie, quand je vois dans l'actualité des situations, avant de réagir comme un québécois francophone blanc, je réagis comme un enfant de Dieu. Mon identité première, elle est en Christ. Je pourrais juste aller dans la pornographie, puis pas. Mais je pourrais dire, mais tous les hommes le font. Mais je ne suis pas comme tous les hommes. Vous savez, le chrétien, ce n'est pas celui qui tombe jamais dans la pornographie. C'est celui qui est jamais confortable dans la pornographie. C'est celui qui est jamais confortable dans le péché. Hein, je pourrais arriver et dire quand je fais mes impôts, puis personne ne me voit, je pourrais dire ah, tel élément, je ne vais pas le déclarer Non. Tout le monde le fait, oui, mais je ne suis pas tout le monde. Je suis un enfant de Dieu. J'ai une identité, j'ai une meilleure identité, je suis disciple de Jésus. Je suis né de nouveau. Sur Facebook, aïe, 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 que j'aurais le goût de l'écrire, la phrase assassine. Mais je ne suis pas quelqu'un qui écrit des phrases assassines. Je suis un enfant de Dieu. Donc, les chrétiens, nous avons une meilleure identité. Et je termine. Cette meilleure identité, comment est-ce qu'elle se manifeste? Verset 13. Le roi s'entretint avec les sages astrologues car une affaire royale passait devant tous ceux qui avaient la connaissance du protocole et du droit qui l'approchait. Donc, Vachti a refusé de se présenter. On ne sait pas pourquoi. Certains disent, la Bible précise seulement que sa couronne, est-ce que finalement on lui a demandé de devenir nu? Puis elle se dit, écoute, je ne serai pas un trophée, puis on ne sait pas pourquoi. Puis... L'important, c'est qu'elle ne s'est pas présentée. Maintenant, le roi n'est pas content. Donc, il prend ses conseillers pour établir qu'est-ce qu'on va faire. Verset 14. Karchena, Chetar, Admata, Tarsis, Meras, Marsana, Memoukan, les sept princes Med et perses, familiers du roi qui occupaient la première place dans le royaume. Quelle loi appliquer dans le cas de la reine Vashti qui n'a pas exécuté l'ordre du roi à Suérus, transmis par l'intermédiaire des, des eunuques? Mamoukan dit en présence du roi et des princes La faute de la reine Vacheti n'atteint pas seulement le roi, mais tous les princes et tous les peuples dans toutes les provinces du roi Suérus. Car le refus de la reine viendra à la connaissance de toutes les femmes qui regarderont leur mari avec dédain, quand on racontera que le roi Suérus avait ordonné de faire venir la reine Vashti en sa présence et qu'elle n'est pas venue. Maintenant, les princesses perses et mèdes qui auront appris le refus de la reine tiendront le même langage à tous les princes royaux. Cela suffit pour qu'il y ait du mépris et de l'indignation. S'il plaît au roi, on proclamera la déclaration royale immuable consignée dans la loi des Perses et des Mèdes, que Vashti n'apparaîtra plus devant le roi Assuérus et que le roi donnera sa dignité royale à celle de ses compagnes qui vaudra mieux qu'elle. Quand on sera informé de cet édit important promulgué par le roi pour tout son royaume, toutes les femmes auront du respect pour leur mari du plus grand au plus petit. Sa déclaration plut au roi et au prince, et le roi agit selon ce qu'avait dit Memoukan. Il envoya des lettres dans toutes les provinces royales, à chaque province, dans son écriture et à chaque peuple dans sa langue, pour que tout homme soit maître en sa maison et qu'il parle sa langue maternelle. En fait, il y a un contraste. Le peuple de Dieu anticipait un meilleur roi, un meilleur royaume. Et quand on voit ce texte-là, nous voyons que les chrétiens, nous avons un meilleur roi. Les chrétiens, nous avons un meilleur royaume. Nous avons une meilleure identité. Nous avons une meilleure loi. Une meilleure loi. On voit ici la loi d'Assyrus, la loi des Mèdes et des Perses. La Bible dit les chrétiens, souvent, on a une vision négative de la loi parce qu'on pense à la loi de Moïse, hein, qui nous condamne parce qu'on est incapable de respecter totalement la loi de Dieu. Mais la Bible parle de la loi de Christ. Donc, le chrétien n'est plus sous la loi, n'est plus condamné par la loi, mais à l'intérieur de nous, il y a la loi de Christ. Paul va dire dans Galates 6,2. Si vous portez les fardeaux des uns des autres, vous accomplissez la loi de Christ. Alors que la loi des Mèdes et des Perses écrase, la loi de Christ que les chrétiens propagent, elle relève. Alors que la loi peut mettre un fardeau, les chrétiens, nous obéissons à la loi qui fait en sorte que nous portons les fardeaux des uns des autres. Vous savez, on peut utiliser la parole de Dieu pour mettre un fardeau sur les gens, ou on peut utiliser la parole de Dieu pour libérer les gens d'un fardeau. Par exemple, un, un mari qui dit à sa femme, hey, la Bible dit, femme, soyez soumise à vos maris. Mon ami, ce que tu fais, tu mets un fardeau sur ta femme. Alors, de, au lieu de lui le donner l'exemple de mari-aimant, qui, qui va faire en sorte que ta femme va vouloir travailler avec toi, tu lui imposes un fardeau. De la même manière, la femme pourrait dire, mais ben, moi, je vais être soumise quand tu vas m'aimer comme Christ aimant l'Église. voyez-vous, là, on est une dynamique où on se met des fardeaux au lieu de s'aider les uns les autres. Apporter nos fardeaux. Comme un parent qui dit à son enfant Parents, obéissez à vos parents. Hein? Oui, c'est biblique, mais, mais tu fais juste mettre un fardeau. Donc, la loi de Christ fait en sorte qu'on aide les gens. On aide les gens à obéir à la parole de Dieu. On encourage les gens. On motive les gens. On aide les gens. Et dans le texte, on voit que c'est une loi royale. Et c'est intéressant parce que Jacques 2,8 nous parle de la loi morale. Cette loi de Christ, cette loi royale, pardonnez-moi, cette loi de Christ, la Bible dit, vous obéissez à la loi royale. C'est quoi la loi royale C'est quoi la, la, la loi du roi C'est quoi la loi numéro un dans le royaume de Dieu C'est d'aimer les autres comme soi-même. Alors qu'Assuérus pense à ses propres intérêts, le chrétien ne pense pas à son propre intérêt. Et nous avons une meilleure identité, mais nous avons un meilleur comportement. On connaît tous ce que John F. Kennedy a dit. Ne vous demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, mais demandez-vous ce que vous peut faire pour votre pays. Le chrétien devrait toujours se dire, non pas ce que les autres devraient faire pour moi, mais qu'est-ce que je peux faire pour les autres? Qu'est-ce que je peux faire pour mon épouse? Qu'est-ce que je peux faire pour mes enfants? Qu'est-ce que je peux faire pour mon frère? Qu'est-ce que je peux faire pour mon patron? Qu'est-ce que je peux faire pour mon voisin? C'est ça, la loi royale. Et Jacques, un petit peu plus loin, va dire Cette loi-là, c'est la loi de la liberté. La loi d'Assurus, c'est une loi qui, qui rend esclave. Hein? Dans, le, dans le langage d'aujourd'hui, Vachti, elle est cancellée. C'est la culture du bannissement. Elle a fait une erreur et elle sera jugée éternellement selon sa dernière erreur. Vous savez, aujourd'hui, toute cette culture du bannissement, où quand quelqu'un a, a commis une faute qui est légitime, on va le bannir, on va l'exclure de la vie sociale, il n'existe plus. Le problème n'est pas qu'il y ait des conséquences à nos péchés. Le problème, c'est que notre culture est une culture sans grâce. Quand tu es banni, c'est très difficile d'être établi. Les chrétiens, nous connaissons la réalité du péché, nous connaissons la réalité des conséquences du péché, mais nous n'avons pas une culture du bannissement, nous avons une culture de la grâce. La Bible dit comme Christ vous a fait grâce, faites-vous grâce réciproquement. Les chrétiens, quand on voit des gens pécher, quand on voit les gens faire des actes qui sont impardonnables, on sait que rien n'est impardonnable parce que Christ nous a pardonnés. Donc, nous ne sommes pas comme Assyrius, nous ne sommes pas comme les Mèdes et les Perses, nous ne sommes pas comme les païens. Nous avons la loi de la liberté, cette loi qui libère, cette loi qui relève. Et finalement, la Bible va dire dans Romains 8 elle va parler de cette loi qui est à l'intérieur, c'est la loi de l'esprit de vie. OK, je, je, je suis assez dans la culture, là, je, encore une fois, puis peut-être peut qu'il y a des gens qui ne vont pas apprécier, mais OK présentement, on veut bien paraître. As-tu remarqué comment dans les commerciaux, il y a des quotas. Puis comment est-ce qu'on veut cocher toutes les cases hein? les, ceux qui font les publicités, ils se disent Ok, bon, j'ai besoin si, je, ok, j'ai un autochtone, clac. Ok, j'ai une, une femme, clac. Ok, je noir, clac. J'ai un blanc, clac. Ok, j'ai la diversité. C'est pas mal. C'est juste que on fait exactement ce que le roi a fait. Le roi est même pas, il même pas dans sa propre maison. Ça ne fonctionne même pas dans sa propre maison, mais il fait une loi pour tout le monde. Vous savez, ces gens-là, puis le gouvernement, on peut faire des lois sur des quotas, mais la réalité, ça ne change pas le cœur des gens. Les chrétiens, ce qui fait la différence, on n'a pas besoin de quotas pour inviter des gens de toutes les nations autour de notre table le dimanche. On n'a pas besoin de quotas pour être en relation avec des gens qui sont différents de nous. On n'a pas, malgré ce monde qui parle d'inclusion, 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 l'Église on n'a pas besoin de loi parce que la loi de l'esprit de vie à l'intérieur de nous qui a transformé nos cœurs. Alors que des gens avant qui étaient racistes, qui étaient sexistes, alors que des gens qui avaient toutes sortes de préjugés. Par l'œuvre de Jésus, des cœurs sont transformés, puis ça change tout. Et la loi n'est pas extérieure, elle est intérieure. Et c'est pourquoi c'est la loi de l'esprit de vie. Et c'est pourquoi, en passant, que de passer, de dire que le Canada est un pays chrétien, on va passer des lois chrétiennes. C'est limité parce que même si on changeait les lois actuelles, on mettait des lois chrétiennes. Ça reste du formalisme, ça reste du moralisme extérieur. Jésus est venu pas pour une loi extérieure, il est venu pour changer ton cœur à l'intérieur. C'est la loi de l'esprit de vie. Ils n'ont pas la loi de l'être de la mort. Un exemple que je peux donner, vous savez, présentement, même si on a un petit rhume, c'est malaisant. Parce que tu es en lieu public puis tu ne veux pas tousser. Comme par exemple, à l'église, tu es là, puis bon, tu n'as pas le COVID, tu pas. Tu es, es, es juste là, puis là, tu as une toux où tu fais juste étouffer avec ton bonbon. Et là, là tu luttes, là, tu pries parce que tu ne veux pas tousser. Parce que là, quand tu commences à tousser, c'est comme si tu es la lèpre. Là, tout le monde te regarde. On commence à chasser les démons, là. Et là, tout le monde fait un effort. C'est fou, tout le monde fait des efforts, même pour ne pas tousser, parce qu'on qu sait que présentement, il y a comme une loi qui dit tu ne tousseras pas. Maintenant, on fait beaucoup d'efforts, mais ça ne change pas la réalité. Puis moi, je connais des gens, je ne les nommerai pas, mais il y a des gens, des fois, même tu es malade, tu es dans un lieu public, puis tu te forces pour ne pas tousser, pour ne pas avoir l'air malade. Et ça, c'est un peu le cas de notre culture où. On fait beaucoup d'efforts extérieurs pour paraître en bonne santé, pour paraître inclusif, pour paraître pas de préjugés, pour paraître. Ça va bien, moi, je. Mais en fait, notre cœur est malade. Le cœur est malade. Et les chrétiens savent que nous avons une meilleure loi. Pourquoi? Parce qu'on sait que le bon comportement commence avec une transformation d'un cœur. Et c'est ça la bonne nouvelle de Jésus. Jésus est venu pour nous donner un cœur nouveau. Asturias peut faire des nouvelles lois, nos gouvernements peuvent faire des nouvelles lois, mais seulement Jésus peut nous donner un cœur nouveau. Et ça, c'est la bonne nouvelle de Star, qui commence en contrastant, en nous présentant un mauvais royaume, en nous présentant un, de mauvaises, tout ce qui ne fonctionne pas, mais en nous disant qu'en Jésus, nous avons un meilleur roi, un meilleur royaume, qui nous donne une meilleure identité, une meilleure loi, une loi de la vie, la loi de l'amour. Il est libre d'Esther et on va voir la semaine prochaine que Esther arrive en jeu. Et en fait, tout ce qui prend en place, nous voyons la providence de Dieu. Je termine là-dessus. Dans le chapitre 1, tu te dis, mais, mais est-ce que Dieu n'est pas là? Oui, Dieu est là. Dieu est en train de préparer quelque chose. Dieu prépare, met sa main, alors que Vashti est banni, il prépare l'émergence d'Esther. Esther va devenir la reine de ce roi sanguinaire. Et à un moment donné, il va avoir un plan pour exterminer le peuple de Dieu. Et de par sa fonction, Esther va pouvoir préserver le peuple de Dieu. Et en préservant le peuple de Dieu, ça va faire en sorte que le peuple de Dieu est préservé. Ça va préparer la venue de Jésus. Et Jésus va arriver pour nous sauver. Donc, ce qui prend place là, là tu vois la main de Dieu qui a une répercussion encore aujourd'hui dans ta vie, dans ma vie. Alléluia. Seigneur, merci pour ta providence. Merci pour ta parole. Merci pour Jésus. Merci parce que nous avons un meilleur roi. Merci parce que nous avons un meilleur royaume. Non pas parce que nous sommes meilleurs, mais parce que toi, tu es meilleur. Merci pour la meilleure identité que tu nous donnes. Alors que nous avons plein d'identités, Seigneur, que notre identité première soit, est-ce que nous sommes enfants de Dieu? Seigneur, donne-nous la grâce de marcher en fonction de cette identité. Alors que tu nous donnes une nouvelle identité, tu nous donnes un cœur nouveau. Donne-nous... De nous de marcher dans cette loi nouvelle, dans la loi de Christ, dans la loi royale, dans la loi de la liberté, dans la loi de l'esprit de vie. Et merci, merci, au... parce qu'au travers les ténèbres, au travers les brouillards, au travers la confusion d'Esther 1, nous anticipons Jésus. Nous anticipons Jésus. Et pour chaque personne qui écoute cette prédication, plusieurs vivent dans les ténèbres, plusieurs sont dans le brouillard. Je te prie au travers de cette prédication, tu peux les encourager. Que tu puisses te révéler à eux. Jésus, révèle-toi dans les ténèbres. Père, nous allons prier dans le nom de Jésus par le Saint Esprit. Nous disons Amen. J'espère que vous avez été encouragé, édifié, exhorté à travers ce message-là et que vous allez revenir nous visiter. Euh, si vous avez entendu ces vérités-là sur la vie, sur Dieu, sur l'univers, sur votre propre cœur pour les premières fois et que vous seriez curieux d'en savoir plus, écrivez-nous à info à -de Ça va nous faire plaisir d'entrer en contact avec vous, de répondre à vos questions, vos hésitations par rapport à la foi. Et cette invitation aussi à nous écrire est valable pour vous qui avez des défis, des épreuves, des souffrances dans vos vies, vous aimeriez qu'on prie pour vous, pour quelque chose de particulier. N'hésitez pas à nous écrire, ça va vraiment nous faire plaisir, peut-être même éventuellement de passer un temps avec vous si vous en êtes disposé. En terminant, laissez-moi vous remercier pour votre soutien dans l'œuvre du Seigneur qu'on accomplit ici. Comme les premiers apôtres, notre but est de répandre la bonne nouvelle de Jésus dans tous les quartiers, dans les cœurs, dans les foyers. Et si vous aimez notre mission et vous aimeriez, avec nous, répandre l'Évangile, vous avez la possibilité de nous soutenir, nous encourager financièrement via votre institution bancaire ou en nous écrivant à don au pluriel à commercial, église de On vous remercie pour votre soutien. On vous remercie d'avoir été des nôtres ce matin. On se revoit dimanche prochain. Espérons-le en vrai sur un campus. À bientôt.